Hello à vous, ici Fred Laolès et on se retrouve pour un nouvel épisode de Ragnablock et c'est parti, le petit F5, le petit F1, non, merde, j'avais pas mis le F1, tant pis, tant pis, tant pis, tant pis, hop, on remet l'armure, quoi qu'on est dans les, on est dans ma grotte, voyez-vous, qui a été mis en dalle basse pour ne pas pour rendre le tout pas spawnable. Torche de redstone sur les conseils de Tulbar. Et ça fait assez bien parce que ça garde le côté sombre de la grotte. Donc ça fait bien. Et partout là où c'est spawnable, on met une dalle de pression de la couleur du bois. Puisque maintenant les dalles de pression sont de la couleur de chaque bois. Et ça, c'est bien. Donc ça fait des petits clics. Mais ça, c'est bien. On peut monter par là, il y a une unique dalle, ou par là, où il y a trois dalles, n'est-ce pas? Je vous avais montré la salle d'enchant, j'ai pas encore fait la bibliothèque. Nous passons, plouf, dans l'eau, et nous arrivons ici. Alors là, il y a une partie grotte, où donc là, les mobs ne peuvent pas monter. Où il y a un mineshaft au bout. Faudra que je voie comment je vais l'aménager pour faire une partie où il y aura des coffres et où ça mènera au mineshaft. Je vais voir tout ça. Mais tout ceci a été transformé. Donc, nous avons ici la Nether Wart. Donc, on va pouvoir peut-être. Oui, il y a des mobs en dessous. Hein. En dessous, il y a des mobs. Nous allons cueillir la Nether Wart. Donc vous savez que moi je ne suis pas usine, je fais tout à la mano. Voilà. Hein. Donc là, hop. 1, 2, 3, ça fait 2 fois 8. Oui, ça fait 32. Hein. Ça fait 2 fois 16, pardon. 32, ce qui me permet d'avoir 64 plus 31. Donc là, si je remets. Une simple, normalement, j'ai tout ce qu'il me faut. Hop, 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 voilà, vous voyez, il m'en reste 16, pile le nombre. Et donc, il me reste 63, ce qui est très bien. Regardez déjà tout ce que j'ai, ce qui est très bien hein, pour consommation. C'est nickel. Donc là-bas, on a un mineshaft. On le découvrira peut-être ensemble. Je l'ai déjà visité avec Tulle. C'est notamment là qu'on a pris les toiles d'araignée pour le manoir et tout. Voilà. Donc voilà. On l'a visité, mais on ira peut-être le voir. En tout cas, on sécurisera tout ça, parce que je veux faire un coin où je vais mettre des coffres. Et puis ben, l'accès au mineshaft, qui je pense restera. On verra comment on fera tout ça. Mais là, en tout cas, on monte. Et là, on arrive. Bah, vous voyez, là, il y a une table de craft. Et là, j'ai mis le Brewing Shrine, enfin l'alchimie, avec des petits ustensiles, voyez-vous. Hein. Là, on peut avoir un petit. Alors avec l'effet redstone, moi j'aime bien. Hein. On peut avoir, comment dire, ça pourrait être une graine transformée que le professeur aura mis dans un petit bocal. Et quand cet ustensile-là touche la graine, ça fait faire une petite réaction. Ah, c'est à étudier. C'est peut-être pour étudier le génome des graines, je ne sais pas. Et là, une sorte de télescope avec un œil d'araignée. Hein, quand on regarde dans la lunette ici, on peut voir les détails ou peut-être l'intérieur, savoir. En tout cas, ces deux machines, c'est de la décoration, bien sûr. Mais voilà, ces deux machines liées à la recherche et à la science avec, bien sûr, l'alchimie. Avec le cousin fétide d'un côté. Et bien sûr, Billy de Jigsaw de l'autre. D'un côté, on a l'eau. De l'autre côté,
on a les passions étranges. Et là, tout simplement, ingrédients et poudres. On a les ingrédients et les poudres. Et là, on va s'attaquer justement ici. Et oui, on ne fera pas la maison hantée aujourd'hui, les amis. Pourquoi? Parce que je suis du matin. Il faut savoir que on a tous des horaires de travail. Hein, Tulbar, Adina, Cindy et moi-même. Et donc, comme on fait la maison ensemble, hein, c'est pour ça que je vous dis. Et moi, en ce moment, je suis du matin. Et il faut savoir que Tulbar travaille en journée, donc il est plutôt là le soir. Et moi, le soir, comme je suis du matin, le soir, j'essaye de me coucher tôt. C'est pas évident, mais j'essaye en tout cas. En tout cas, j'essaye. On va faire donc le coin ici. On va creuser un petit peu. On va, pour le moment, mettre des torches pour éclairer. Évidemment, ça sera rendu comme ça. On va garder le côté grotte. Ah! Voilà, le cri viril du Laoless, les amis. Alors, on va prendre... Nien. On va prendre dans ça. On va creuser dans ça, les amis. Pour remonter. Voilà. Le cri viril du Laoless. Tombant des nues. Voilà. Alors, pourquoi tombant des nues? Je ne sais pas. Mais en tout cas, le cri viril du Laoless tombant des nues. Voilà. Donc, toute cette roche, évidemment, on la garde. Pourquoi, me direz-vous? Parce que je vous répondrai. Ah! J'ai vu la roche, hein, c'est pour ça que j'ai... je vais laisser là. Hop là. Pof, on ne sait jamais. Nya. J'avais vu la roche, c'est pour ça que j'avais... Alors, attendez. On va peut-être pas, parce qu'il faut creuser peut-être des deux côtés. Hein. Une, deux, trois, quatre. Alors, une, deux, trois, quatre, cinq, six. Donc là, une, deux, un. Et là, on tombe sur... D'accord, on va pas creuser plus, les amis. On va... Non, je sais. On va conserver. Donc, c'est pas du tout, comme vous le voyez, hein, c'est pas du tout travaillé spécialement. Ça, c'est juste un coffre où je range le matos. Hein. C'est pas un coffre... Non, ça, c'est que de la pierre taillée. J'en ai pas de la craquelée. Nope. Tant pis. On ne l'entra pas. C'est pas grave. On va essayer de conserver... Oh, attendez. J'ai une petite idée. Alors, attendez. Hop. Ça, on peut mettre ça là. On va pas creuser si loin. Si, on va creuser si loin, vous allez voir. Hop. Pour le moment, on pose là. Hein. On va pas aller trop loin, ce que je veux dire, parce que bon, en même temps, c'est pour... hop, on va garder ça parce que j'aime bien. Par contre, après, il faudra reboucher... Ce qu'il nous faut, j'ai calculé, il nous faut 4 x 3 d'un côté, ou de plusieurs, on va voir, et 1, 2, 3, 4, et 4 de l'autre. Alors, attendez.
On va creuser là-dedans. On rebouchera après ce qu'on ne se servira pas. C'est pour mettre les coffres. Voyez-vous. Et là, on mettra peut-être le coffre du Dragon Ball, qui est à part. Qui est à part. Les amis, qui est à part. Là, je pourrais peut-être. On verra après pour mettre le coffre du Dragon Breath. On verra après les amis. Ensuite, on pourrait donc faire le monte ici. Et là. Parfait, parfait. Alors, c'est intéressant tout ça. Non, pas tellement intéressant. Oh, ouais, ça va. Ouais. Oh, bien sûr que si, c'est intéressant, petit. Hop là. Hop, alors, voyons voir, voyons voir, voyons voir. Ça tombe bien qu'on ait une table de craft, n'est-ce pas? Voilà. Ah, d'ailleurs, oui, je voulais vous dire. Je voulais vous dire. vous aurez sûrement remarqué que l'épisode de Dissident World est sorti lundi au lieu de mardi. Voilà. Ça, je pense que vous l'aurez remarqué. C'est une faute de ma part. C'est pas YouTube qui a fait la faute en le mettant le mauvais jour. C'est ma part. C'est moi qui ai fait la faute. Tout simplement, je vais vous expliquer comment j'ai fait cette faute impardonnable. Inqualifiable. Tout simplement, c'est parce que j'ai mis à l'upload le même jour, donc j'ai mis à l'upload Fallout pour lundi, donc ce qui est normal puisque les Fallout 76 sortent le lundi. Et j'ai enregistré le même jour. Ah, ça serait pas mal ça. Alors attendez, par contre, tac. Voilà. Saute. Ah, parfait. Non. J'ai enregistré le même jour. Donc. Hop, voilà. Le Dissident World que j'ai mis à l'upload après l'avoir. Après avoir fait le montage et l'encodage. Donc, et comme une quiche, je n'ai pas changé. Ça fait un peu bizarre, hein, comme ça fait là.
Non, quoi. Comme une quiche, je n'ai pas changé le jour. Vous savez, quand vous mettez planifié, donc je planifie hein, mes vidéos, quand vous mettez planifié, ça vous met au lendemain automatiquement. Hein. Et vous, après, vous choisissez le jour que vous voulez. Donc, par exemple, Fallout 76, ça me l'a mis au lendemain. Donc, le lundi, j'ai dit oui, paf, donc paf, et j'ai. Donc après, ça me, ça, après j'ai fait ben, la miniature et tout, j'ai voilà. Et quand j'ai mis, oh, j'arriverai à parler un jour, je vous jure, hein, je vais prendre des cours, j'arriverai à parler un jour. Quand j'ai donc mis Dissident World, voilà, j'y arrive, vous voyez. Et ben quand ça m'a mis pour le lendemain, j'ai pas changé ça, j'ai pas dit non, je le veux pour mardi. Non, j'ai laissé pour lundi en fait. Et ben du coup ça m'a mis pour lundi quoi. Donc là, voilà, ça a mis pour le jour que j'ai validé. Et donc voilà, c'est une pure erreur de ma part. Je m'en excuse. Donc du coup, le mardi, vous n'avez pas eu de vidéo. Hop là, voilà. Donc du coup, le mardi, vous n'avez pas eu de vidéo. Et c'est normal puisque le mardi, vous avez eu le lundi, vous avez eu la vidéo du mardi, donc qui était Dissident World, tout simplement. Voilà l'explication. Donc c'est pas YouTube hein, qui a fait de la merde, c'est moi. Je vais prendre du bois. Mais avant cela, pour éviter d'avoir une mauvaise surprise en revenant dans la grotte, voilà. C'est clairement moi qui ai fait de la merde, tout simplement. Donc, voilà, je m'en excuse. Je m'en excuse. J'ai tout fait le dimanche. Enfin, j'ai fait. Le Fallout, je l'avais mis, il faut savoir, non, j'ai pas, si, j'ai tout fait le dimanche, ouais. Le Fallout, je l'avais mis, il faut savoir, le samedi. Hop là, voilà. Je l'avais mis le samedi à l'upload, mais les uploads de jeux console, ça prend un temps infini. Voilà. Pour moi, qui n'ai pas la fibre. Parce que les jeux consoles comme Fallout, je les upload en 1080. Alors que Minecraft, je upload plus bas. Je ne sais plus avec le Filmorama et avec mon nouveau ordinateur si il est mieux, je ne sais plus. Mais c'est un peu moins, il me semble. Il me semble, hein, je ne suis pas sûr. Minecraft ne demandant pas une ressource de ouf parce que c'est un jeu pixelisé. Alors que Fallout, si vous le mettez en beaucoup moins que 1080, ça va se ressentir. Mais en tout cas, voilà, Fallout, je l'upload en 1080 sur le petit portable parce que il n'y a que sur le petit portable pour le moment que j'ai le logiciel d'enregistrer, le Elgato d'enregistrer avec le logiciel et tout. Donc voilà. Et donc je l'avais mis samedi. Et il avait fini de s'encoder à 1 ou 2 heures du mat, je crois. Et donc, 1 ou 2 heures du mat, on est déjà passé à dimanche. Donc, avant d'aller me coucher,
Pof, pof, je l'ai mis à l'upload. Et c'est quand je l'ai mis à l'upload, parce que l'encodage se passe vachement. L'encodage se fait vachement longtemps. J'avais fait. Ah, j'arriverai à m'exprimer un jour, vous allez voir. J'avais fait l'encodage assez tard, après manger, je crois, à 8 h et quelques. Et quand je l'ai mis donc à l'upload, c'était passé minuit. Oui, voilà. Parce que quand on le met à l'upload, on le planifie en mettant à l'upload. Voilà. J'y arriverai à parler, j'y arriverai à m'exprimer un jour, vous verrez. J'ai fait le montage de Fallout et je l'ai encodé. Donc lui, il a fait son encodage. C'est hyper long l'encodage de Fallout. Faut pas confondre encodage et upload, c'est ce que je viens de faire, confondre encodage et upload. Mais je m'exprime. Je m'explique, j'y arriverai un jour. Donc, l'encodage de Fallout, c'était. Non, parce que j'ai dit oui, voilà, j'ai bafouillé un peu, parce que même moi, je ne comprenais pas ce que je disais, hein, les amis. Il faut savoir. Même moi, qu'est-ce que je raconte encodage en dit. Upload, pourquoi l'upload? Non, encodage, voilà. Donc, j'ai mis à l'encodage, et quand j'ai mis à. Donc, quand ça a fini d'encoder et que j'ai mis à l'upload, voilà, on y arrive. On y arrive, les amis, on y arrive. J'y arriverai à parler normalement un jour. Un jour, j'arriverai à parler normalement. Vous verrez, je ferai des vraies phrases un jour. quand donc j'ai mis à l'upload. Donc, c'était passé minuit. Voilà. Comme c'est des petits épisodes, pourquoi je l'ai mis aussi loin, en fait? Puisque ça va être là. Ça n'a pas besoin d'être aussi loin. Oh, attends, j'ai une idée. Donc, disais-je, ça je vais le laisser en deux. Donc, je l'ai mis à l'encodage assez tard, après manger. Vous voyez, je vais parler lentement pour bien que je comprenne moi-même ce que je dis. Même si j'en mets trois là, ça va pas le faire. Attends. Oui, non, j'ai autant de. C'est pas grave, hein, les pierres taillées dessous. C'est pas bien grave. Je l'ai donc mis à l'encodage. J'y arriverai. Enfin, vous m'avez compris, quoi. Je l'ai mis à l'encodage le soir et quand je l'ai mis à l'upload, on avait passé minuit. Et donc, quand j'ai planifié, ça m'a marqué pour le lendemain. Donc, le lundi, vu qu'on avait passé minuit, on était devenu à dimanche. Et comme j'ai enregistré Dissident World le dimanche, quand je l'ai mis pareil à l'upload, donc j'ai fait l'encodage qui est beaucoup plus rapide. Et quand je l'ai mis à l'upload, donc c'était toujours dimanche, et j'ai pas changé la date de sortie, et c'est resté à lundi. Voilà, pour le lendemain. Voilà, j'espère que vous m'avez compris dans toutes ces explications bafouillatrices ou bafouillatoires, enfin bafouillantes. Le Laolès tente de s'expliquer, ça tourne mal. Ouais, en fait, tu nous mens parce que t'as fait un truc. Non, non, je t'assure. Je t'assure, je t'assure. J'ai simplement voulu parler d'encodage. Alors qu'en fait, je parlais de. J'ai simplement dit upload quand je voulais parler d'encodage. Mais bon, c'est pas bien. On s'en sort, on s'en sort. Ma thérapie est presque terminée. Si, vous verrez. Vous verrez, vous verrez. Quoique. Si, non. Je pensais de l'autre côté, moi.
Nickel. Bon, il se ferme un peu dans les escaliers, c'est pas bien grave. C'est pas bien grave. C'est pas bien grave. Là, on peut mettre. Par exemple, on peut le laisser comme ça. Attends. Parce que j'aime pas bien quand c'est comme ça. Non, je sais. Enfin bon, vous aurez eu deux vidéos lundi, vous plaignez pour. Donc 1, 2, 3. Alors, je vais les noter tout de suite. Ça me permettra de les barrer sur mon pense-couillon. Alors, attendez. Et on pourrait mettre ici, en haut. Ce que c'est dedans, vous allez voir. Idée. On va tester, on est là pour tester, après tout. On va prendre ça. Hop là. Je sais, je dois sûrement en avoir. Si on met dedans, comme ça, on lit à la lueur de la bougie. Alors, si je prends le 1. Vision nocturne. Ok. Résistance au feu. Alors attends, ça va pas rentrer. On va mettre là en anglais fire résistant. Et ensuite respiration aquatique. On va mettre aqua. Oui, tu as raison. Respiration, est-ce que ça marche? Oui. Voilà, ça c'est les potions qui changent quelque chose, qui vous donne, comment dire, qui vous donne une faculté. Voilà, la faculté de voir la nuit, la faculté de résister au feu et la faculté de résister, de respirer sous l'eau. Voilà. Tout simplement. Les zen. Ensuite. On continue. C'est parti. On taille. Dans le mur. On met pour le moment des torches. Alors là, il y aurait une torche de redstone, n'est-ce pas? Hop, et avec le petit truc derrière, donc on va le mettre tout de suite. Et je laisse les bruits de zombies, je regarde pas d'où ils viennent. Parce que je trouve que ça fait, ça rend un truc un peu plus fun, les amis. Voilà, là, c'est là où c'est écrit. Voilà, tout à fait. Donc là, paf. Donc là, une
chapitre 3. Pour le moment, je vais faire comme ça. Hein. Oui, on se calme le zombie, on se calme. Je pense que je reboucherai hein, quand j'aurai fini cette salle-là. Je pense que je reboucherai. Alors, c'est pas bien grave si il y a de la pierre taillée que je mets derrière et qui se trouve complètement masquée parce que ma pioche est touchée de soie et vous voyez que je récupère la roche directement. Donc, la pierre taillée, c'est vraiment, vraiment pas un souci, les amis. Donc pareil, on va faire ces trois coffres. Donc 1, 2, 3. Et en haut. Hop. On va donc mettre. Tac. On a autant de tout changer là. Hop. Toute façon, on fera un mur là. Hop. Et là, non, c'est de deux. Voyez, je ne me formalise pas. Si je perds de la pierre taillée, parce que c'est alors attendez, il faut 8 en fait, c'est des doubles. Ça vous permettra aussi de revoir. Hop, voilà. On va mettre les dalles aussi au sol. Pour le moment comme ça. Voilà. Voilà. Et là, nous aurons. Ok. Donc après, je changerai quelques briques par quelques craquelés. Et j'ai remarqué que je n'en avais plus. Ensuite, en deux, qu'est-ce que j'ai noté en deux comme potion? Il y a les sceaux. Donc, sceau et sceau amélioré. Hein. On mettra toutes les potions de sceau. Il y a la rapidité. Rapidité. Et il y a la chute lente. Nouvelle potion, la chute lente. Donc ça, c'est des potions qui vous donnent une aptitude physique. Ça vous donne une aptitude de résistance et de vision. Hein. C'est pas physique, c'est un super pouvoir, si vous voulez, hein, en quelque sorte. Ça vous donne une aptitude physique. Le saut, donc de sauter plus haut avec la patte de lapin, la rapidité, donc voilà, hein, de beaucoup plus vite, et la chute lente qui est un nouveau sort hein, qui peut être apparenté à poids plume, hein, enfin vous connaissez, hein, c'est le nouveau sort qui est apparu, aptitude donc physique. Voilà.
Vous aurez remarqué que pour le moment, je range les sorts. Enfin, pour le moment, je vais ranger les sorts par aptitude, le mieux que je peux. Hein. Je fais le mieux que je peux, écoutez, les amis. J'espère que, en tout cas, si ça peut vous donner des idées, j'en suis ravi. Oh, par contre, là, ouais, ça, je refuse pas. Oh. Écoutez, hop, voilà. Oh, tant pis, on va prendre de la roche. Vais reboucher complètement, les amis. Hein. Hop, voilà. Hop, voilà. Ok. Pour le moment, on met là. Donc, on va creuser. Bon, on va creuser jusque-là parce qu'on change tout. Donc. Voilà. On creuse jusque ici. Donc là, c'est le mur, on est d'accord, et là, c'est les coffres. Non. Là, il y aura les coffres. Tac. Et là, il y aura... Hop, et ce qui est intéressant de faire, ce sera ça. Et la petite torche. Tac. J'ai entendu une chauve-souris en parlant de ça. J'ai toujours pas eu la tête de chauve-souris. Pourtant, c'est pas faute d'en avoir tué un bon nombre, les amis. Ça viendra, ça viendra, ça viendra. Je suis confiant. Oui, je disais il faut 8 coffres, il en faut 6. Pourquoi je disais il faut 8 coffres? N'importe quoi. C'est plus compté, là, Oles, c'est plus compté. Remarquez, ça va bien avec la. Le bafouillage que je vous ai fait tout à l'heure. En m'emmêlant les pinceaux sur l'encodage et l'upload. L'encodage, c'est quand vous avez monté la vidéo, tout simplement. Et quel. C'est ce qu'on appelle le rendu aussi. Hein. Le rendu final, une fois le montage fait. Donc, c'est pas encore mis sur Internet. Et l'upload, c'est quand vous la mettez justement sur Internet. Et c'est là où vous pouvez décider de la date quand vous la planifiez. Ouais, mais pour planifier la vidéo, Laoulès. Laoulès, mon petit Laoulès. Pour planifier ta vidéo, dis-moi, tu dois pas activer la monétisation. Bien sûr que si, tu dois activer la monétisation. Mais activer la monétisation ne veut pas dire que tu monétises. Je ne monétise pas mes vidéos. J'ai activé la monétisation uniquement pour pouvoir planifier mes vidéos. Mais ma monétisation reste à zéro. Donc, ce qui veut dire que je ne monétise en aucun cas mes vidéos. Voilà. L'explication, les amis, de pourquoi j'ai monétisation, d'activer, s'il y en a qui se demandaient, hein, au cas où, j'explique. L'activer ne veut pas dire la mettre. Hein. Enfin, si, ça veut dire la mettre si vous activez, mais si vous la mettez à zéro. Elle est activée pour la planification, mais si vous la mettez à zéro, vous ne planifiez rien. Vous ne monnayez rien. Voilà.
tout simplement. Donc je l'ai activé juste pour pouvoir planifier mes vidéos parce que c'est plus pratique quand je pars au boulot que de mettre en non répertorié et ensuite de la mettre en public quand je reviens du boulot. Là, elle est planifiée et quand je rentre du boulot, je constate qu'elle est uploadée et je suis peinard, les amis, tout simplement. Si vous ne me voyez pas bouger, c'est normal. Je valide les potions là que j'ai mis pour le moment sur ma petite feuille. Oui, j'ai tout fait sur feuille, les amis. J'ai fait un truc assez sympa. Donc voilà, la monétisation est activée pour la planification, mais pas pour monétiser. Tout est gratuit sur ma chaîne. Je le dis et le répète. Très bien. Les troisièmes potions sont invisibilité. Invisibilité. Tout simplement. Hop, ça c'est la 3. La 3, force. Force. Donc là, on repasse encore dans certains super pouvoirs. Chance. Qui a un nouveau sort. Je me rappelle plus ce que ça fait, chance. Honnêtement, je ne me rappelle plus ce que ça fait. Je sais pas, je sais plus ce que c'est, chance. Mais bon, c'est un sort aussi, c'est une sorte de pouvoir. Ben voilà, hein, les pouvoirs en face des pouvoirs, hein, tout simplement. Vision nocturne, fire résistance, aqua respiration ou invisibilité, force ou chance. Choisissez, les amis, le sort que vous voulez. Hop, ou la mutation que vous voulez. Moi, ce sera surtout là. Fire et à quoi? Si, à là aussi, je crois. Non. Peut-être chute lente, ouais. Mais invisibilité, je non. Force, chance. Si, force pour les pigments quand je voudrais farmer les têtes. Yep. It's through. Tac. Tac. Oh. Là, nous aurons donc nous aurons le mur là, logiquement. Voilà, avec les coffres. C'est gourmand quand même, les amis, hein. Ah! C'est gourmand. Je vois pas assez. Je vais aller en prendre encore. On en a combien de vidéos? Oula, 44, on va se laisser là, les amis, je pense. Je finirai en off, les amis. En tout cas, vous avez compris un petit peu le pattern, hein, de ce que je vais faire. Je finirai en off. Je vous montrerai au prochain épisode ce que ça a fait. Et puis voilà, hein, tout simplement. J'espère que je ne vous aurai pas retourné la tête avec mes bafouillages. Voilà, tout simplement, en tentant d'expliquer et en m'emmêlant dans codage et upload. Voilà, hein, les amis.
Hop, tout simplement. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, laissez-moi un petit pouce bleu, un petit commentaire, ça me fera toujours plaisir et j'interagirai toujours avec délices, voluptés et dissidence avec vous. Mais pour l'heure, il ne me reste plus qu'à vous dire bisous, filles, amitié aux gars et à très très bientôt. Bye bye.